Tu vas encore au cours de théâtre ? Oui, bien sûr. C'est toujours au concert ? Oui, parce que l'académie est en travaux. J'aimais bien, moi, aller là-bas de temps en temps. Oh, moi aussi, c'était vachement chouette. C'est vrai que cela fait longtemps que l'académie est en travaux. On se demande bien pourquoi. Et si on allait jeter un œil ? Oh non, non, moi j'ai trop peur d'avoir une punition. Alors, toi, tu surveilleras. Les autres, vous êtes partantes ? Oh oui ! Alors, toutes pour une et une pour tous ! Oh là là, c'est trop bien ! Il y a que des cailloux ici ! Mais où est-elle ? Oh là là ! J'arrête de travailler, hein, moi ? Ok ? T'arrêtes de rester comme ça et tu me regardes, hein, quand je te parle. Vous ne l'avez toujours pas trouvé ? Quoi ? Mais ce n'est pas de notre faute, monsieur le directeur. Je vous laisse une semaine, ou sinon je préviens la ville et vous serez renvoyé. T'es fou ? Vous pensez qu'on n'aurait pas de problème ? Ce serait trop lourd à porter ! Peut-être que je vais appeler la police. Oh, les haricots sont cuits. On est fichus. Ah, ils ne pourront jamais le trouver. Heureusement que nous l'avons rapporté à la reine. Ah 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 ah, tu cherches, ça m'amuse. Allez, vite, placez-vous. Action dans 3, 2, 1, action. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en direct de Forcelle pour vous annoncer une nouvelle très intrigante. J'ai à mes côtés le directeur de l'académie. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les événements récents qui se déroulent ici au sein de notre académie ? Eh bien, l'académie est en travaux depuis plus d'un an déjà. Et quelque chose de très important a disparu. Nous avons fait appel à un inspecteur afin qu'il mène l'enquête. Je ne peux malheureusement pas vous donner plus pour le moment. Madame, vous êtes professeur de musique à l'académie de Farcelle, n'est-ce pas ? Oui. Oh là là, nous sommes bouleversés. C'est terrifiant ce qui se passe en ce moment. Je travaillais avec mes élèves sur la flûte enchantée quand nous nous sommes rendus compte qu'il manquait certains passages. Vous voulez dire qu'il manquait certaines partitions ? Non, nous avions les partitions, mais les notes et les personnages avaient disparu. Étrange. Et vous, monsieur, vous êtes bien professeur de théâtre ? Oui, effectivement. Et je suis également préoccupée par la disparition des personnages de la flûte enchantée. Imaginez si tous les personnages s'embêtaient à disparaître comme ça, de tous les opéras et de toutes les pièces de théâtre. Cela serait une catastrophe. Oui, je vous remercie pour votre témoignage. Amis téléspectateurs, nous nous informerons dès que nous aurons plus d'informations sur ces mystérieuses disparitions en direct de Farcelle pour Télécole. Et coupez ! J'étais bien, non ? C'est une catastrophe, monsieur le directeur. Une catastrophe. Il faut prévenir les bibliothèques de la région, de la petite plaine. Mais enfin, calmez-vous, ça va bien se passer. Se calmer ? Oui, soyez tranquille, je suis certain que cela sera réglé dans les jours qui viennent. Et je fais comment, moi, pour mon spectacle ? Il faut annuler. Annuler ! Hors de question ! Nous avons pris nos engagements et puis l'inspecteur est sur le coup, tout ira bien. Trois fées et la reine de la nuit. Et pourquoi sont-elles sorties du livret ? Très intrigantes. Elles doivent avoir une bonne raison pour prendre un tel risque.
Moi, quand je sors de chez moi, c'est souvent parce qu'il me manque quelque chose dans mon frigo, par exemple. Bon, c'est comme ça, la fin. Mais non, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont sorties du livret pour aller chercher quelque chose. Ah! Et quoi alors? Eh bien, ça, c'est mon boulot, mon ami. Oh, pardon? Ah, non, non, non. Je disais, flûte, je devais aller chercher du pain. Voilà, du pain. Vous me cherchez quelque chose? Moi? Mais non, je vous assure. Le directeur semblait être préoccupé pour autre chose que la disparition des personnages. Les travaux de l'académie semblaient s'éterniser, n'est-ce pas? Oui, oui, un peu de retard, c'est tout, rien de bien inquiétant. Du retard? Oui, comme tous les travaux, vous savez, nous sommes habitués. Et ma servitude qu'on me mente, madame, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Mais je ne vous mens pas. Vous ne me racontez pas tout cela, on vient mentir, n'est-ce pas? Ah oui, vous avez parlé d'une flûte, si je ne m'abuse. Ah, vous savez, dans une académie, il y a beaucoup d'instruments. Et cette flûte, où est-elle? Quelle flûte? Arrêtez tout de suite de me prendre pour un idiot, madame. C'est votre devoir de me dire la vérité, afin que je puisse mener cette enquête et trouver les vrais coupables. Mais qui aura pu se profiler et aller voler la flûte enchantée? C'est impossible. La flûte enchantée a disparu. J'avais trop dit, je vais vite aller à la directeur. Mais à quoi ressemblait cette flûte? Oh là là, on n'est pas sortis de l'auberge. Ne regardez pas le renard qui passe, regardez seulement quand il est passé. À quelle heure va-t-il passer? 5 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bonjour. Vous jouez avec vous? Vous avez l'air tellement gay. Mais qui êtes-vous? Vous êtes sans nouvelles dans l'école? Nous sommes des kids. Des filles? Oui. Carrément, très doux. Très trop. Et nous, nous sommes les enfants perdus du pays. Majestine. Des enfants perdus. C'était une plaisanterie, alors. Vous sortez d'où, les filles? Elles doivent venir dans notre pays, en tout cas. Vous avez vu leur robe? Vous êtes des réfugiés? Des réfugiés? Oui, vous avez pris votre vie parce que c'était la guerre chez vous. En quelque sorte, si elle prend que vous êtes dans le livret, c'est devoir obéir à un destin tracé par Mozart en fait partie. Mozart? Mais Mozart, c'est un musicien, pas un dictateur. Vous racontez n'importe quoi. Nous vous avons dit la vérité. Nous sommes des fées et nous voudrions jouer avec vous avant de rentrer chez nous. Vous rentrez? Oui, nous sommes obligés. Allez, venez. Mozart peut bien attendre un peu. Il ne fait que ça, attendre. Mais puis, Mozart est mort depuis bien plus longtemps. On a fini avec l'histoire de la musique là. On a une partie de Renard qui passe à terminer. Allez, venez. Allez, venez. Ah, ma flûte. Je ne veux plus te perdre. Sans toi, impossible de délivrer ma fille Pamina. Mes trois fées? Oui. Oui? Oui, ma reine, nous sommes à votre service. Merci pour votre dévotion. Vous êtes exceptionnelle. Il est temps pour nous de retourner dans le livret et de donner la flûte à Tamina. Déjà, on commençait seulement à s'amuser. Tellement plus gai de la cour de récré. Ça suffit. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Notre place est dans le livret. Mozart nous a créés et nous ne pourrons pas revenir en arrière. Papagena a bien réussi, lui. Il vous a quand même fait une bonne blague. En jetant la flûte enchantée dans le mont Eiffel. Comme ça, ramasser le bec n'était pas suffisant. Vous auriez dû couper les ailes et ses pattes. Ça suffit. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Ce sont vos pouvoirs à vous trois que je vais vous arracher si vous continuez. Eh bien, vous pouvez. Nous préférons rester ici. Ça doit être tellement gai d'être une petite fille
de pouvoir jouer dans la cour de récréation, de jouer à touche-touche, à cache-cache et aux renards qui passent. Arrêtez, vous allez nous faire repérer. De courir sans utiliser nos ailes, d'avoir un papa, une maman, d'aller à l'école. Mais fait le jeu de cache-cache est terminé et la cloche a sonné. Êtes-vous certaine de vouloir devenir des petites filles? Vous êtes pourtant au courant qu'une fois devenue humaine, vous ne pourrez plus jamais redevenir des fées. Oui. Oui. Une seule condition est requise. Vous devez trouver trois petites filles qui veulent prendre votre place auprès de moi dans le livret. C'était plus gai la classe que la récré. La classe? Oui, la classe, c'est là que tu apprends pour ton avenir. Le français, les maths, la géographie. Berthe, je déteste la géographie. Et moi j'ai horreur de maths. C'est vrai que nous préférons les vacances. C'est tellement plus amusant. Voudriez-vous habiter chez nous? Chez vous? Où il y a la guerre? Oh non, merci. J'ai trop peur des bombes. Ce n'est pas la guerre, c'est un opéra. Un opéra? Oui, notre pays est celui de la flûte enchantée de Mozart. Mozart nous a quand même fait une bonne blague en jetant la flûte enchantée dans mon frère. Je savais que j'aurais dû être plus attentif et moins bavardé. Oui, oui, bien entendu qu'on connaît. Vous devriez vous faire un échange avec nous? On aura des ailes, vous voulez? Il n'y a pas de quoi. Je vais devenir des fées. Des fées? Qu'en pensez-vous, les filles? Oh oui! Alors c'est décidé. Voici les trois passages. On va devoir chanter. Moi, qui rêvais de participer à The Voice. Je savais que cette fille était spéciale. Je trouvais ça étrange qu'elle soit cachée dans les coffres. C'est vrai, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir l'utiliser pour mes cours. Une aussi belle flûte. Moi, je comprends qu'on l'ait cachée dans un coffre. Sinon, elle aurait été abîmée, coupée ou détruite. Mes élèves n'auraient jamais fait cela. Je leur fais confiance. Quoi qu'il en soit, elle a tout de même été volée. Mais comment ça leur est-il procuré? Silence. Là est la question. Et je crois avoir la réponse, mon cher Watson. Ah! On frappe avant d'entrer. J'ai une piste. Une piste? Oui, pendant que vous discutiez, je me suis permis d'aller faire un tour dans le bureau de votre directeur. Quoi? Et j'ai trouvé ceci. Une lettre de retard. Vous n'avez pas rendu tout vos livres, madame. Ce n'est pas votre problème, ça. Qui s'est permis de rentrer dans mon bureau? Moi, mon cher monsieur, j'enquête. Et qu'avez-vous fait de mon sandwich jambon mayonnaise? En fait, j'avais un petit creux et... Ça suffit maintenant, monsieur l'inspecteur. Sortez d'ici immédiatement. Mais je suis sûre qu'il y a un rapport avec cette lettre. Et vous chipotez dans mon courrier? J'appelle votre supérieur. Monsieur le directeur, racontez-nous la véritable histoire. Comment vous êtes-vous procuré cette fleuve? Cela ne vous regarde pas. Sortez! Calme-nous. Peut-être pouvez-vous faire confiance à l'inspecteur et lui raconter. Vous êtes sûr? Oui. Nous étions en réunion ce soir-là. Il était très tard. Très tard, et j'avais encore beaucoup de travail à faire pour mon spectacle sur la flûte enchantée. J'ai donc travaillé un peu sur mon livret. Je devais le ramener à la bibliothèque le lendemain.
et soudain, il y a eu comme une secousse. Les lumières sont éteintes. Quand enfin tout s'est rallumé, il y avait un trou noir au milieu d'une ivresse. Et une flûte magnifique sur la table. Nous avons décidé de garder la flûte et le temps de comprendre comment faire pour réparer la catastrophe. Mais cela a empiré et ensuite ce sont les personnages qui ont disparu. Vous connaissez la suite? Quelqu'un vous a volé la flûte. Ça va vous coûter cher, vous ferez de retard tout ça. Mais enfin, faites votre travail et retrouvez cette flûte! Je ne recule jamais devant une enquête, mon cher ami. Bon, qui reste? On peut tirer à la courte de paille. Oh non! Alors, on fait quoi? Je suis la plus vieille, c'est à moi de rester. Toi, tu restes? Oui, mais ça ne sera plus la même chose sans vous. Tu es un ange. Une véritable amie. Merci. Voici vos trois notes. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des fées. Mais que faites-vous là? Vous n'avez pas l'autorisation de rentrer sur le chantier. Ça peut s'écrouler sur vous. Pardon, messieurs, nous attendons nos grandes sœurs. Messieurs, nous sommes de l'académie. Mais cela ne vous donne pas accès au chantier. C'est dangereux ici. C'est à l'étage. Vite, il faut aller voir. Ne bougez pas d'ici et ne faites pas de bêtises, surtout ne touchez à rien du tout. C'était vous tout ce vacarme? Oui, mais c'était pour faire diversion. Allez, plaçons-nous les notes. Qui reste avec nous? Moi. Alors, tu seras la première note de musique. Le Do, place-toi ici. Teresa, ton passeport sera le Ré et toi le Mi. Shannon, ton passeport sera le Fa et toi le Sol. Laurent, ton passeport sera le La et tu seras le Si. Je serai le Do. Il faut une fée pour la clé de Sol et une autre pour la mesure. Vite! Et bonjour à Mozart. Thank you.